C'est quoi tous ces trucs? Waouh, ça n'a pas du tout la même Il y a ambiance. des écrans de surveillance, des magnétos, une table de mixage pour des tas de micros. Il a des oreilles partout. Pire que ça, il y a plusieurs circuits qui passent ici, hydrauliques, électriques, tout ce qu'on veut. Il peut contrôler tout l'hôtel grâce à ça. Jusqu'où ça va comme ça? Tout est connecté. C'est comme ça qu'il se déplace. Ah ouais. Je crois que c'est une erreur de se contenter de dire qu'il est fou. Il contrôle totalement chacun de ses actes, mais son esprit ne fonctionne pas comme le nôtre. Et c'est pas fou, ça? Être fou, c'est perdre le contrôle. Regarde ce qu'il a conçu. Il est hyper méthodique. Il est pas fou du tout. Non! Et juste comme ça, faut faire quoi le ici? Le masque fait partie intégrante de sa mise en scène. Au pire, il peut avoir une forme d'anxiété et le masque lui donne de l'assurance. De l'anxiété? Je vais attendre, enfin, ouais, j'ai pas osé appuyer sur ça parce que j'avais peur que ça lance un truc. Alors encore une insigne de police. Hop, je laisse un petit peu. Peut très bien être un facteur. Vous mettrez sur pause. Ça pourrait aussi être de la faute de son père, ou d'un oncle, de n'importe quel adulte en fait. Il nous suit à la trace depuis le début. On a perdu Marc dans le sous-sol. Tu ne les as pas lus, nos recherches? Bon, je m'en tiens à l'éclairage. Ah, il croit que Charlie est mort, tu vois. Ah ouais? Malheureuse, ouais. Colère enfouie. En tant qu'adulte, soit il est hyper surdoué, il est barré. Soit il est débile. C'est l'un ou l'autre. Regarde. Ah oui. Il observe le moindre de nos mouvements. Et il aime être en position de force. Parti. Ah, rip. Oh là, d'accord. J'ai rien fait du tout, mais bon. On n'a pas été assez rapide pour le jeu. Je suis resté devant le truc déjà. Le type qu'on a vu se faire tuer. C'est tout. C'était bidonné. Il n'y avait pas de gardien. Mais le type en ciré jaune qui portait nos affaires, on l'a bien vu. Je pense que c'était Monsieur Dumet. D'accord, c'était juste ça. On peut utiliser ça. Ouais, comme si t'avais appuyé sur examiner. Oui, il y a inspecté. Inspection. Toi, t'es parti où? Je suis parti dans les escaliers. Alors, où is... À l'étage. Où is escalier? Bah, escalier is here. Bah, elle a pas envie de bouger. Moi, elle veut pas y aller. Ah, si, c'est bon. T'es monté ou t'es descendu du coup? Je suis monté. Bah, je monte avec toi. Parce qu'on peut descendre. Alors. Bah, c'est bien, mais je te vois pas. Ah bon? T'es monté juste à l'étage au-dessus? Ouais. Bah, je te vois pas. Ah, il y a la suite. Ah, si, c'est bon. Ah, si, je te vois. Tu devais être caché derrière un poteau, un truc comme ça. Encore une cassette. Je vais attendre que tu. Passe tout. Tu peux appuyer, t'inquiète. Ok. Oh, super. De l'anglais, ça faisait longtemps. Ouais. Regarde ça. Les mécanismes, les parois mobiles et tout le bordel. Rien n'est réel dans ce trou à rats. Ils contrôlent tout depuis cette salle. C'est une usine à tuer. Exactement. On devrait s'en servir contre lui. Je veux trouver Marc, pas entrer dans le jeu de Dumet. Si on arrive à le piéger, on pourra chercher Marc sans avoir à surveiller nos arrières sans arrêt. Moi, je suis d'accord. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je suis d'accord. Là-dedans, d'accord? Alors, si on arrive à l'attirer dans ce couloir, on le piège entre ces deux parois mobiles. Il n'aura aucun moyen de sortir. Il sera coincé. Ok. Surtout qu'il est juste à côté de Mais vous. Mais comment être sûr qu'il ira dans la direction qu'on veut? Il faudra que l'une d'entre nous serve d'appât. Non, pas question. C'est beaucoup trop risqué, Jamie. Le laisser courir, oh là là! Ce serait même encore plus dangereux. Chiant jusqu'au bout, celle-là.
On n'aura pas droit à une deuxième. Bon, je dis pas que dans la vraie vie je l'aurais fait, mais. C'est mon plan. Ouais, franchement, je l'aurais pas fait. Grave. Bon. Si tu vois que ça tourne mal, tu te casses et vite. Je me ferai pas prier. Ça pourra te faire une arme en cas de besoin. Je préfère le garder. J'en aurai sûrement besoin. Ok, il vient d'avoir, les oiseaux là. Ouais. Et je fais le bon choix. Okay. Ouais. Je sens que j'ai pas fait le bon choix, mais bon, c'est pas grave. Allons-y. Tu t'en tiens au plan, évidemment. Celle qui y va, donc si je pense que c'est un bon. Ouais. Ça doit être bon, je pense. Tiens-toi prête. Faut un timing parfait pour que ce soit lui qui soit piégé. Allez. Oh, putain, puis c'est moi qui dois faire le timing. Il va falloir que j'appuie sur les bons boutons au bon moment. Ah, ça, ça va être chiant par contre. Mon dieu. C'est moi la pop. En gros, faut qu'il me voie du coup. Je longe le couloir. Ouais, là, je te vois. Je reste à droite. Je vois plus. Oh, il y a un truc là. Moi, j'inspecte. Hein. C'est moi qui. N'avance pas trop parce que faut que je cherche les caméras. Ah, je te vois. T'es là. Ok. Je suis en train d'inspecter, donc nos soucis, j'avançais pas. À mon avis, je dois surveiller en même temps. En fait, je sais pas où faudra que je cours après. Faudra que je revienne sur mes pas. Parce que là, il est juste à côté de son bureau médical. Donc je pense que tu dois aller là-dedans. Que j'aille où Bah justement, je sais pas où est-ce que tu es situé exactement. Je suis dans le couloir, là. Parce qu'à mon avis, tu dois aller dans une chambre. Bah, j'étais dans une chambre, en fait. Ouais. T'as pas un miroir d'ouvert ou un mur. Je sais que t'as une lampe torche normalement sur toi. Ouais, ouais. J'ai des rideaux où je peux examiner. Bon, allez, on va prendre des risques, hein, si on n'avance pas. Hein. Parce que moi, je te vois plus du tout. Moi. Ok, ça pue. Moi, je suis avec Monsieur Dumette. Que je vois toujours. Oh putain, je suis devant le miroir. Ok. Et j'ai un passage derrière. Ok. Je le prends Bah, sachant que je ne te vois pas, je te dirais vas-y. Ok. D'autres chambres en travaux. Je suis dans une zone de chambre en travaux. Je t'aime toujours pas. Il y a un bureau de l'autre côté. Il y a un bureau de l'autre côté. Pardon. Oula, monsieur Dumette a disparu. Il est dans le bureau. Il vient de passer devant moi. Ah oui, je le vois. Ah, ok, dans le bureau. Ah, toi, t'es à travers la vitre. Ouais. Ok. Je sors. Je sais pas s'il faut que tu l'attires ou une plongée. Je peux pas attirer, je peux pas. Là, je peux juste inspecter. Ouais, bah, inspecte alors. J'ai inspecté et ça m'a fait hurler. Ah, ça t'a fait hurler? Ouais. Bon bah écoute, je vais sortir hein, parce que de toute façon je peux rien faire de plus donc. Vraiment, il est toujours sur place. Là je suis dans un couloir. Attends, je surveille les trucs. Ok, je vois ton couloir. Moi j'ai dû mettre toujours dans la chambre. Dans son bureau. Oh! Je vois quelqu'un mourir d'asphyxie. Tout
Toujours dans son bureau, mais je sais pas où faut que je la tire en fait. Parce que là, je suis vers le bureau. Ce que je vois. Parce que je sais qu'il faut la tirer dans un couloir. Je vois le numéro 5. J'y suis pas là, j'imagine, dans le numéro 5. Putain, j'ai... Ah, ça me dit que tu dois foncer puisque les caméras, j'ai plus accès. Ah, et je fonce où? J'en sais rien parce que je peux pas bouger ni rien. Oh putain. Peux rien faire. Mais il m'a pas vu. Puis moi, rien que te regarder d'un écran à travers un autre écran, ça me stresse encore plus. Ah, mais du coup, je sais pas. Ah, là, il y a le. Moi, le truc, c'est qu'il m'a pas capté, donc si je cours, ça sert à rien. Oui, c'est ça, quoi, parce que moi, je comprends pas pourquoi je peux rien faire. Parce que là, tout ce que je peux faire, c'est tourner autour de mon perso, niveau Waouh. caméra. Est-ce que je peux. Ah non, je Là. voulais. Ouais, pardon, je voulais chercher la. C'est l'objectif. Continuez. Ouais, faut que je trouve du mètre. Et au moment où je l'ai trouvé, je pense que là, faut que je cours et toi, t'auras peut-être accès. De nouveau caméra. Bah, pour pouvoir le bloquer, ouais. Parce que là, moi, j'ai un numéro 6 sur le mur. Et Ok, c'est le mur non. qui revient vers toi. Donc Ouais. ça se trouve, il faut que j'aille là-bas. Et après, ça va me débloquer la porte. On peut tenter, hein. De toute façon, j'ai envie de te dire, c'est qu'un jeu. Oui. Toi, t'es sur le numéro 6. Ouais, T'as vu le 6. je viens de passer le 6, ouais. Et là, il Mmh. y a le 5. Ouais, c'est ça. 5, ok. Donc je vais passer là-bas. Je pense qu'il faut que j'ouvre le bureau. Pour qu'il me capte et après je cours. Et puis Parce que voilà. le bureau, je vois pas où il est. Mais je pense que t'as pas besoin de voir où il est. Faut juste que tu me captes quand je passe au 5-6. Je pense. Problème, c'est que je peux pas bouger. Je peux rien faire du tout. Ouais, mais t'es vers les caméras 5-6. C'est peut-être à ce moment-là que t'auras le truc qui va se débloquer. J'ai pas accès aux caméras ni rien en fait. J'ai plus accès à rien du tout. Bon bah tant pis, hein, je fais et puis on verra bien si t'as accès. Ouais. Et j'ai peur que ça se révèle au truc où tu te fais écraser. Ah. C'est ça le problème, c'est que j'ai peur de faire une couille après, du coup, qui fait que je peux rien voir, rien faire comme je veux. Bah ouais, mais du coup là, moi je suis obligée d'avancer dans le jeu. Ah bah oui. Donc dans tous les cas, il faut que je bloque d'abord le 5 et ensuite le 6. Ouais. Ok. Ça va me Ça stresser. marche. Je pense que ça va être stressant. Oh! Ah, C'est... je t'ai de nouveau accès à la caméra et il t'a Oh vu. putain, ouais. Bah oui, du coup. Mais fallait qu'il me voie, non? Ah, c'est à ce moment-là. Là, va falloir que je cours. Ouais, là, il est dans le bureau. Ouais, Ça, ouais. il bouge pas trop, hein. J'ai la Il marche. cinématique. Bah, du coup, je pensais que c'était à moi de courir. Putain, il y a des QTE. J'étais où, là? Je cours. Je vais passer dans le 5-6. Bientôt. D'accord. Ok. J'ai des putains de QTE. Mizuka fait un choix. Oh, je cours. Oh, je cours. Oh, je cours. Bluffé. Ça me stresse. Bah! C'est une blague? T'as appuyé sur un bouton? Ouais, je crois que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. T'as appuyé, ouais. T'as pas. T'as. Voilà, bon, bah, je suis morte. Ah non, pas pour l'instant. T'as rouvert, du coup? J'ai rien fait. Ah, t'as rien fait, ok. Mais par contre, j'avais celle qui était morte avec moi. Ah d'accord. Bon bah rip, rip elle, hein. Rip Ouais. Jamie. Mais je vais pas me faire écraser, juste me faire tuer. Voilà. Un petit coup de couteau dans le dos. Du coup c'était bien ça, fallait qu'il me repère pour courir. Et puis Merde. C'était chaud, Oh bordel. pardon, j'ai fait une C'est connerie. chaud aussi pour... Parce que... Ouais, non. C'est ma faute.
Barry peut Jamie. Ouais. Moi, je te dis, moi, c'est, je crois que c'est... cette série, c'est moi qui vais faire tuer tout le monde. Merde. Oui. Ouais. Oui. Tu peux pas parler français? Bon, on va tous les faire crever, quoi, c'est ce que t'es en train de me dire. Je pense. Voilà, vu comme c'est parti. Ouais, grave. Ah, bonjour. Ça faisait longtemps. Quelle terrible façon de mourir. Bah c'est mieux que d'être asphyxié. J'imagine hein. Que Kate et Jimmy n'ont pas réussi à s'entendre sur un plan pour arrêter Dumet. Au fond d'elle-même, Kate n'oubliera jamais qu'elle a joué un rôle dans la mort de Jimmy. Grave. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait faux bond à l'un de ses proches. Ah bah, Jimmy a choisi de ne pas sauver Erin alors qu'elle le pouvait. Elle l'a laissé mourir, privée d'oxygène, suffoquant jusqu'à la mort. Charlie a réalisé un vrai tour de force. Hey. Il a survécu à la fournaise et surmonté tous les obstacles. Qui l'aurait deviné? L'indice que je vous ai donné a-t-il aidé? Je m'en rappelle déjà plus. En voulez-vous un autre? Ben oui. Je mets oui. Ça nous aide pas, donc... Ah, c'est avec l'autre. Ah bah ici, j'appuie pas sur le bon. Voyons si Sir Arthur peut nous aider. Cette citation provient de l'homme à la lèvre tordue. Jamais lu ? Lisez-le. Merci. Un ami sûr est toujours utile, et un chroniqueur plus encore. Un chroniqueur. Cette dernière partie pourrait m'être imputée. Vous devriez y retourner. T'inquiète. J'espère que ces discussions sont utiles. Il y a encore des survivants à faire mourir. J'observerai vos progrès, comme toujours, et cela très attentivement. Bon, du coup, il n'y a plus que 3 survivants là. C'est ça. Rip, mais bah, il n'y a plus que lui que j'aime bien. Puis, t'es avec qui toi là actuellement? T'as quoi comme cinématique? Les deux. Oh. Ah, le noir du coup. Ouais. Ok. Et là, j'ai Kate. Ok. Qui est en train de courir pour éviter le tueur. Moi, j'ai toujours mon poteau. Marc. Voilà. Oh, putain. QTE ? Ouais, l'autre s'est mis contre la porte et lui, il a mis un coup de couteau à travers la porte. Bon, du coup, vu qu'il est occupé avec toi, je suis tranquille. Moi, je sais pas pourquoi, mais ça peut sentir la mort directe pour moi. Ah. Ah ouais, ouais. Si je loupe pas mes QTE, c'est bon, mais... Eh ben, tu ne vas pas les louper, d'accord? Ah, tu vas les gérer. C'est moi, je les ai gérés. Donc, à toi de les gérer. J'ai essayé, parce que là, il est vraiment à mes trousses, bordel. Moi, je suis vers la piscine, donc c'est bien. Non, les casiers, ce n'est pas une bonne idée. Non, forger dans la piscine, c'est ce que tu es en train de me dire. Ah, bah il est tombé. La piscine.
Une main. Putain. Ah, c'est une vraie main, bordel. Ah, avec une clé. Très bien. On va prendre la clé, hein. Oh putain, non, pas les battements. Changing room. Bah décidément, t'es gâté avec les battements, toi, ce soir. Ah, mais j'ai horreur. Oh putain, puis prends un petit bâton de fer. Je ressors par où? Oh, ah bah putain. Comme ça. Tout simplement. Ah bah c'est pas là. Très bien. Ouais, détends-toi toi. Quoi, tu t'allumes alors que je passe pas devant? Je vais y arriver, hein. Bah. Ah, arrêtez. Mon pauvre. Je suis au moins au sixième battement à faire. Tire sans PLS. Non, il y a un septième. Oh là là, mamma mia, it's creepy, it's so creepy, enfin, creepy, pas creepy. Ah, miam miam, ça donne envie. Oh putain, courir ou rester? Ça, c'est le truc, tu sais pas ce qui est le mieux. Ouais. Parce que les deux, c'est horrible. C'est quoi? Putain, je sens que je vais crever. Oh my god! Oh putain, il m'a chopé. Oh putain. Arrêtez, QTE de merde, j'en ai marre. Putain. Courir. Tant pis si je dois faire 15 000 QTE. Vas-y. C'est derrière, je suis obligé de passer par là, très bien. Bon, j'ai brûlé le gars. Bennett? Enfin, Bennett. Ouais. Je sais plus si ça fait comme ça, mais... Comment t'as fait pour le brûler? J'ai tapé un tuyau, ça a sorti du gaz. D'accord. C'est moi tranquille. Oh putain. Oh merde. Ah, le vide. Très bien. Merde. Bah puis lui saute dedans. J'ai loupé mes deux QTE de merde. Oh non, morte. Merde. Oh, sérieux? Ça c'est abusé parce que si tu les réussis tous et t'en coupes juste deux, tu meurs quoi. Je suis sonné. Ah, ok. Non, elle est juste sonnée apparemment. Ah, ouf. Oh, Charlie. Après, combien de temps, je sais pas. Mais elle a pris un sacré choc puisqu'elle est tombée du toit jusqu'en bas. Hein. Ah ouais. Putain, mais je me fais toujours courser quoi. Bah il t'es pas brûlé? Bah si, mais il tient le choc. Oh, salaud. J'y ai trop cru, moi je me suis dit cool, notre ennemi il est mort. Bah non, non en fait. Non, si tu me fous dans un labyrinthe. Mon pauvre. Moi je suis dehors. Je me sens bien là où je suis. Je suis dehors dans le labyrinthe, tranquille, avec Monsieur Dumet. On va l'appeler Monsieur Dumet, hein, parce qu'on sait pas qui c'est. Ça peut servir. Oh non, encore des battements.
Par où que je passe? Je peux y arriver. Mais oui, tu peux y arriver. Allez. Elle décide de sortir comme ça. Putain, s'échapper du labyrinthe. Non. Je sais pas où. Ah oh, putain. Où je dirige? Ah là-bas. Moi, je sais pas où aller, bordel. Ah non, mais c'est la pire des... C'est la pire des choses, quoi. Oh, putain de corbeau. Je suis bien assez stressé avec tout ce qui vient de se passer. Tu m'étonnes. Je vais me foutre la petite tête, quoi. C'est vrai que toi, t'as dû avoir une séquence. Ah, ouais, je pense que t'aimerais pas la vivre. Non, moi, je suis dehors, je me sens bien. Ouais, j'ai bien vu ça. J'ai bien vu que c'était une impasse. Mais tu peux pas monter, non? T'as pas envie? Ok. Marc. Parce que moi, là, je vois rien de plus. Oui. Dans le noir total. Oh, quoi qui vient de passer là? En plus, je dois faire gaffe au loup là. Examiner. Encore un jeton? Pas punaise. Pour une fois que j'en ai plein, c'est parce que tir s'était pas passé avant. Voilà, c'est sûr que c'est pas moi qui vais passer. Oh, c'est quoi ça qui me guette? Ah, puis je vois rien. Ah, j'ai une lumière. Ça peut être utile. En fait, j'ai quelqu'un qui me guette, alors ça me rassure pas du tout. C'est peut-être le tueur. Arrête. J'ai de... De cible, oui, c'est ça. Ouais. Il était très bien vers toi, le tueur. Non, non. Au bout d'un moment, stop, chacun son tour. Bah, je sais pas où faut aller, là. Ah, très bien. Mmh. Un chien. Des mannequins. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a un bar en plein milieu du labyrinthe. De quoi? Il y a un bar en plein milieu du labyrinthe. Oh, super. Et...